Bonjour les amis, et oui, donc aujourd'hui nous sommes le 9 décembre, il est déjà 13h46. Ouais, hier je n'ai pas vlogué du tout parce que je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai eu des problèmes avec l'ordinateur. Et puis on a fait, oui c'est ça, puis après on était faire un drive, et puis bah on a fait plein de choses, et puis j'ai terminé par faire mon avis sur la mécanique du cœur. Donc j'ai terminé par faire mon avis sur la mécanique du cœur, donc avec Mélie, donc voilà. On a passé du temps et puis après on a discuté un peu après notre avis, donc voilà. Hier je vous ai pas pris parce que j'avoue que je m'étais dit je vais vous prendre après, puis il était super tard, enfin super tard. Il n'était pas énormément tard, mais bon pour moi voilà. En ce moment je suis on va le dire comme il est, même si voilà, je continue à tourner des vidéos, je continue à me motiver, je suis assez fatiguée. Ouais. Je n'ai même pas ouvert, du coup, je n'ai même pas ouvert mon calendrier de l'avant parce que voilà, je tiens tout prix à l'ouvrir avec vous. C'est pas grave, on va se rattraper aujourd'hui. On va l'ouvrir aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît tous les jours de découvrir voilà, ce qui se cache dans le calendrier. Donc on va commencer, on va prendre le 8, on va le mettre là, et on va prendre le 9. Ah bah voilà, le 8 est blanc, le 9 est vert. Voilà, comme ça c'est plus facile. Voilà, le 8 est blanc, le 9 est vert. Alors le 8, on voit pas à travers, ça marche toujours pas. En plus vous voyez, il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité là, je suis juste face à... Face à la fenêtre, j'ai tout de suite allumé la lumière derrière. Alors, qui c'est, qui c'est, qui c'est, qui c'est? C'est un petit vampire. C'est un des petits vampires, donc dans Mr. Jack, voilà. Leur nom, par contre. J'ai un trou sur le nom. Je le mettrai là. S'il y a un nom bien spécifique, je l'écrirai. Parce que. Voilà, je vais le mettre à côté du clown. Donc, ça, c'était le 8. C'était hier. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait sombre aujourd'hui, qu'on voit rien. Et aujourd'hui, et donc le 9 décembre, j'ai du mal à l'ouvrir. Voilà. On dirait bien que c'est Locke. Mais je trouve ça bizarre parce que Locke, je sais pas. Je me trompe peut-être. Hein, j'ai peur de me tromper dans certains noms quand même parce que je pense que c'est Locke. Mais Locke, il est plus rouge en pop. Je l'ai déjà vu, il est plus rouge. Je verrai ça. Hein. Je verrai ça. Je pense que c'est lui. Peut-être qu'il y a des variantes. Hein, C'est comme Mister Jack, il y a plein de variantes, donc pourquoi pas les autres. Et Sally aussi a plein de variantes, donc pourquoi pas les autres personnages. Je vais pas tenir lui, dis donc. J'en ai quand même déjà les 9 là. Ils sont beaux, j'aime bien. Je vous les remontrerai tous quand. À la fin du vlog, quand je les aurai tous ouverts, parce qu'ils sont beaux, franchement, ils sont magnifiques. Je les aime trop. Voilà, encore deux petits papiers à les cendre à la poubelle. Pas très écologique, hein. Pas très écologique, mais bon, soit. Bon, ben, sinon, donc, voilà, que dire. Donc, je vous ai dit, donc, hier, voilà, je ne vous ai pas pris. Parce que, finalement, ben, qu'est-ce que j'aurais fait avec vous hier soir? Ouvrir le calendrier de l'Avent, point barre. Donc, voilà. Bah, j'ai pas grand chose à vous dire hein. Voilà à part que ben voilà je suis toujours dans Carn mais que j'avance quand même j'avance hein, mais bon bah le soir je m'endors facilement sur ma liseuse je suis à 71% voilà il me dit qu'il reste 1h19 donc ça va ça avance ça avance et j'adore cette lecture, elle est super. Je peux comprendre qu'il y a des passages qui peuvent, voilà. C'est vrai qu'au fur et à mesure que j'avance, je peux comprendre qu'il y a des passages qui peuvent rebuter certaines personnes. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le lire.
Mais moi, personnellement, j'adore cette lecture, je kiffe cette lecture, je la trouve vraiment originale. Voilà, super originale, pour moi, c'est son coup de cœur, clairement. Ça sort de ce que je suis habituée à lire, au fait. C'est du zombie, mais voilà, c'est différent, Enfin, j'adore, quoi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment... J'ai vraiment hâte d'arriver à la fin et de connaître le dénouement, franchement... Surtout quand, voilà, surtout quand on a 71%. J'avoue que on n'a que cette hâte, c'est d'arriver à la fin et de connaître le dénouement. Voilà, à part ça, j'ai pas grand chose à vous dire. Parce que là, il est 13h56, à 14h30, je me mets en route. Ouais. J'ai pas envie, mais quand il faut, il faut. Je me mets en route pour aller voir. Pour aller à l'hôpital, pour un rendez-vous à l'hôpital. Encore. Je prends la route pour Courtrai. Si jamais je vois des belles choses sur la route, je vous prendrai en vlog. Je leur décorerai son Noël, tout ça. Je vous prendrai un petit peu en vlog. Je ferai un petit arrêt. Surtout ce soir, parce que comme j'ai rendez-vous donc à 15h30 et qu'il fera vite noir ce soir. Si jamais donc en revenant, je vois des belles décorations ou quoi, je m'arrêterai un petit peu. Voilà. Pour vous montrer, bon, je vais pas aller jusque dans le centre-ville parce qu'on n'est pas du tout dans le centre-ville à l'hôpital. Le centre-ville doit être magnifique, mais franchement, à l'heure où je vais avoir fini mon rendez-vous, ça va être la pleine heure des bouchons. Donc je vais éviter les grands axes, malheureusement, et je vais éviter de, voilà, donc de passer dans... De toute façon, je vais même pas passer dans le centre-ville pour arriver à l'hôpital, donc... Mais si en prenant les petits axes, je vois des belles petites décos par-ci par-là, ben je ferai des petites haltes en voiture, j'essaierai de me garer sur les côtés pour vous montrer un petit peu, voilà, hein, pour vlogger avec vous, pour vous montrer les belles décorations. Et pareil, si voilà, je vais prendre un livre avec, mais je vous en reparlerai tout à l'heure, parce que malheureusement, donc j'ai laissé le livre en bas. Voilà, donc je vous en reparlerai tout à l'heure. Et voilà. Je voulais juste ouvrir le calendrier de l'Avent avec vous. Et je devais juste vous dire que j'étais toujours occupée de lire Karn. Finalement, oui, comme on s'est pas pris hier, je ne vous ai pas dit. Donc j'ai enfin lundi, donc le 7. Ouais, j'avais dit que je la mettais hier, mais j'ai pas pu résister. Elle était tournée, elle était prête. Je me suis dit, allez hop, je la bazarde en ligne. Voilà, on se prend pas la tête. Et du coup, je l'ai mis hier en ligne. Lundi en ligne plutôt. Donc, ma palle pour le challenge hivernal. Je sais plus. Je sais plus, j'ai un trou. Enfin, je vous le noterai ici en dessous. Voilà, ouais, aujourd'hui, je suis à la ramasse. Parce que voilà, bah, rendez-vous à l'hôpital, c'est souvent à la ramasse. J'ai souvent rendez-vous le matin, c'est beaucoup plus gai. Parce que, ben, quand on a rendez-vous à 3h30, je trouve que, bah voilà, c'est. C'est se dire bah il faut attendre jusque là, il faut patienter, et puis on sait pas ce que les médecins vont dire, donc c'est toujours un peu plus compliqué. J'avoue que le matin, même si le matin j'ai plus de mal à me réveiller, à me mettre en route et aller jusque là, je me dis une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que là, ben voilà, il faut le temps que je me mette. Allez, que bah voilà, il faut que j'attende, que j'attende, que j'attende. Et clairement, c'est moins marrant. Et bon, voilà. On va y aller. D'ici une demi-heure, une bonne grosse demi-heure, je suis partie. Voilà, donc je vous laisse. Et je vous dis, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Ou, je sais pas. Ouais, si, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure quand même avec soit une lecture... ou soit du coloriage, mais de toute façon à l'hôpital déjà je vous reprendrai peut-être avec une lecture, si je suis à l'avance, je vous reprendrai avec une lecture, c'est sûr. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure!
Bonjour les amis, donc voilà, on se retrouve, donc on est le 11 décembre, déjà, il est 15h33, oui, je vous ai toujours pris depuis mercredi, mais voilà, entre deux, vous avez vu, je vous ai laissé, donc, avec des petits bouts de décoration, des petites tranches de vie, comme ça, voilà, sans parler, ça fait du bien aussi, c'est aussi ça, un peu l'esprit des vlogs et l'esprit de Noël. Donc voilà, ben on va commencer hein, parce que il y a encore une fois 2 jours à ouvrir. Il y a encore une fois 2 jours à ouvrir. Voilà. Donc il y a le 10. Un petit paquet blanc, comme ça on ne se trompe pas. Et il y a le 11. Un petit paquet vert, ben voilà, comme ça. C'est génial, ça fait double surprise aujourd'hui comme j'ai pas ouvert hier. Oh! Oh, c'est trop bien la double surprise. Yes. Alors aujourd'hui donc nous avons, enfin hier plutôt, nous avions la sorcière. Tombe pas quand même. Je suppose que c'est la sorcière, je sais pas. Je trouve que ça y ressemble, après je peux me tromper. C'est compliqué parce que finalement ça fait un an que j'ai plus vu le film et les personnages se ressemblent pas mal. Mais je pense que c'est la sorcière. Bon, par contre, allez hop. Ah, ça tient pas bien en plus. Hein. Ah, mais. Non. Et voilà, crash test en direct. Et crash test en direct, merci Sally. Merci Jack. On fait du crash test en direct. Bah, hein. Bon, on va le laisser, hein, c'est du vlog. Hein. Ça fait du crash test en direct. Alors, il y avait d'abord. Donc, il y avait lui. Il y a Sally qui va un petit peu encore se casser la figure. Sally est douée pour se casser la figure, mais quelque chose de malade. Voilà. Je crois que c'était dans cet ordre-là. J'espère. J'essaie de les garder dans l'ordre. Donc, ensuite, il y avait. Voilà. Ah non, tu tombes plus. C'est pas marrant, je te jure. Allez hop, tu vas tenir. Et toi aussi, ouais. Sur ton chapeau, tu risques pas. Ouais, ils tiennent pas terrible. Hein. Voilà, bon, je suis là. Je suis là, oui, mais voilà. Alors, il reste donc le petit paquet vert. Oh, bon, bah là, il n'y a pas de surprise. Hein? Là, on se pose même pas la question qui c'est. C'est encore notre pote Jack. Notre pote Jack, pareil à. À quasi. Non, même pas. Ah, si. Je vais essayer de pas tout faire tomber. Pareil à quasi celui-là. Voilà. Presque, hein. Ils sont tous presque pareils. Ils sont pas. Ils sont pas pareils, hein, mais ils sont tous presque. Jack, s'il te plaît, pas de bêtises. Pas de bêtises. Voilà, Jack. Bon, on imagine que demain on aura Sally. Hein? Je pense bien. Hein. Donc voilà, bah sinon comme vous avez pu le voir, voilà, le sapin de Noël est fait. Ah oui, le sapin de Noël, le sapin de quoi enfin? Oh, le sapin est fait. Je suis contente. J'avoue que j'étais pas très très motivée cette année. Et puis finalement, le fait d'avoir fait le sapin, d'avoir mis de la couleur en bas, ben voilà, c'est un petit peu mieux. Ouais, c'est un petit peu mieux. Je n'ai pas encore commencé de lecture de Noël, par contre. Pas du tout. Bah ouais, je lis beaucoup pour le Pélib, donc les lectures de Noël, ben, cette année, j'en aurai pas beaucoup, comme je vous ai dit, hein. Mais je vais en lire. Qui a dit que Noël était fini? Noël, elle fait que commencer. Et qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini Carne hier soir. Oh, franchement, j'ai vraiment passé un super moment. Je sais pas. Je sais pas que dire pour l'instant. Voilà, parce que, ben. Franchement, j'ai vraiment aimé ce livre du début à la fin. Bon, même s'il peut y avoir un peu une relation malsaine par moment. Si je comprends que certaines personnes peuvent être dégoûtées du livre. Personnellement, il y a des livres comme ça dont je pourrais très vite dégoûter. Et pas celui-là, au contraire, parce que c'est un humour grinçant. C'est. Enfin, voilà, c'est un truc que j'ai vraiment, vraiment aimé. Donc voilà.
Franchement, j'en parlerai très vite donc dans une chronique vidéo. Je vous en dis pas plus pour l'instant. J'aime bien préserver le suspense un petit peu. Hein. Voilà, si vous avez aimé Carne, dites-le-moi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas non plus. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires donc sous les vlogmas. J'espère qu'ils vous plaisent hein, parce que il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de commentaires donc j'ai toujours un peu de doute sur est-ce que ça plaît ou est-ce que ça plaît pas. Voilà. Donc ben voilà, j'ai terminé Carne. À part ça, oui, donc je vous avais montré. Voilà. Je l'avais pris à l'hôpital pour recommencer. Une expédition en enfer, l'autre Rimbaud. Ouais, voilà. Bon. Ah mais clairement, 24 pages, mais je me suis régalée. Je me suis régalée. Franchement. Vincent Vallée, donc c'est un auteur auto-édité au livre papier. Franchement. Oui, je sais, vous allez me dire avant tout, c'est un ami. Mais c'est pas parce que c'est un ami. Voilà que je fais des différences. Clairement, si j'aimerais pas son livre, je dirais écoute Vincent, là, ça m'a pas plu, franchement, je suis déçue. Mais non, franchement, je peux pas lui dire ça. Il a tellement une plume, mais magnifique, magnifique. En plus, il fait sans arrêt des rappels de vers Rimbaud à vous Verlaine que je vous ai déjà montré. Que si vous voulez, je vous mettrai le petit lien vers ma chronique. Et franchement, pour l'instant. Waouh, je suis la façon dont c'est écrit, encore une fois, voilà. Ne fût-ce que le petit poème qu'il a mis au début. Oui, leur nouvelle est au moins très sévère. Car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent des jalousies pour les mendiants. Les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. Damné, si je me vengeais! Il faut être absolument moderne! Voilà, donc c'est de Arthur Rimbaud, Adieu, une saison en enfer, 1873-1875, voilà. Bon, là, il me fait une petite dédicace, donc Vincent, donc à son compagnon. Pour Ludo, qui par son empressement, son audace, son sens de rotation, son goût du voyage, me rapproche chaque jour un peu plus de Rimbaud, Vincent Vallée, voilà. On sent vraiment, je trouve, dans cette petite phrase, sa passion pour Rimbaud. Voilà, on sent vraiment. Et donc, en commençant celui-ci, je me suis dit. Ouais, c'est en fait un peu une suite de Rimbaud à vous Verlaine. Je pense qu'il faut lire. Ou Verlaine à vous Rimbaud, je me trompe toujours dans le titre. Ça va aller. Il est où? Verlaine à vous Rimbaud, c'est bien ça, oui. Il est là, mais si je tire, bah les pop, elles vont se casser la figure, donc j'ai pas envie de retirer dessus. Voilà. Donc c'est de. Voilà, c'est Verlaine à vous Rimbaud. Ouais, c'est logique puisque c'est des sur Rimbaud. Alors ici, on commence avec un petit avant-propos. Donc il explique vraiment pourquoi, voilà, sa passion pour Rimbaud. Et pourquoi il écrit à nouveau sur Rimbaud. Et déjà là on se dit, ouais, mais on sent vraiment la passion quoi, c'est on sent que Vincent c'est vraiment un passionné de Rimbaud et franchement, bah j'adore. J'adore. Et puis on est parti sur le chapitre 1. Le chapitre 1 que je n'ai pas eu le temps de terminer parce que voilà, j'ai commencé donc dans la salle d'attente à l'hôpital. Et puis ben le médecin est venu me chercher aussi vite. Donc voilà, ça a fait que je n'ai pas pu le terminer. Et je vous avoue que hier, ben, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc ben voilà. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà en rentrant mercredi, j'étais crevée. Je pense que ça a dû être squattage. Mercredi, si je me souviens bien, ça a été squattage. Squattage, fauteuil plecha. Je crois que ça a dû être ça la soirée de mercredi parce que j'étais claquée du voyage, enfin du génico, voilà, c'est les hôpitaux universitaires, ça crève, mais grave qu'on y va, je trouve. Et hier, on était jeudi, hier. Oui, hier j'ai squatté, ouais, j'ai squatté une bonne partie de la matinée, début d'après-midi devant son Netflix, devant Insatiable.
Voilà, donc j'ai commencé Insatiable. Personnellement, je sais pas, cette série a été beaucoup critiquée, je trouve. Peut-être pour le fait que oui, faire pas. Allez, le fait que dire que oui, on rigole beaucoup de la grossophobie, c'est peut-être vrai, mais en même temps, ça montre que voilà. Enfin, je sais pas, moi, ça, y a pas grand-chose qui me choque dans cette série, donc voilà. Pour l'instant, j'aime bien, au contraire, je trouve que ça aborde beaucoup, beaucoup de sujets, et justement, c'est vraiment super, super intéressant. Bon, après, je sais que beaucoup l'ont vu, je pourrais en parler plus, mais voilà, je me dis, c'est un peu comme un livre. Si, voilà, je vous lis les sujets abordés et que vous n'avez pas vu, c'est un peu bête parce que, ben, vous n'allez pas avoir de surprise parce qu'il y a des sujets qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, voilà. Mais sinon, en général, voilà, ça me plaît bien. Je dois avoir regardé la moitié de la première saison, je crois déjà là. Et ouais, ça me plaît pas mal. Ouais. Donc voilà, ça a fait que je n'ai pas pu le terminer. Et je vous avoue que hier, ben, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Donc ben voilà. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, déjà en rentrant mercredi, j'étais crevée. Je pense que ça a dû être squattage mercredi, si je me souviens bien, ça a été squattage. Squattage fauteuil plaid. Je crois que ça a dû être ça la soirée de mercredi parce que j'étais claquée de la voilà ben du voyage enfin du gynéco voilà c'est les hôpitaux universitaires ça crève mais grave qu'on y va je trouve. Et hier on était jeudi hier. Oui, hier j'ai squatté, ouais, j'ai squatté une bonne partie de la matinée, début d'après-midi devant son Netflix, devant Insatiable. Voilà, donc j'ai commencé Insatiable. Personnellement, je sais pas, cette série a été beaucoup critiquée, je trouve. Peut-être pour le fait que oui, faire pas, allez, le fait que dire que oui, on rigole beaucoup de la grossophobie. C'est peut-être vrai, mais en même temps, ça montre que voilà. Enfin, je sais pas, moi, ça, y a pas grand-chose qui me choque dans cette série, donc voilà. Pour l'instant, j'aime bien, au contraire, je trouve que ça aborde beaucoup, beaucoup de sujets, et justement, c'est vraiment super, super intéressant. Bon, après, je sais que beaucoup l'ont vu, je pourrais en parler plus, mais. Voilà, je me dis, c'est un peu comme un livre. Si, voilà, je vous lis les sujets abordés et que vous n'avez pas vu, c'est un peu bête parce que, ben, vous n'allez pas avoir de surprise parce qu'il y a des sujets qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, voilà. Mais sinon, en général, voilà, ça me plaît bien. Je dois avoir regardé la moitié de la première saison, je crois déjà là. Et ouais, ça me plaît pas mal. Ouais. Je trouve ça pas mal, encore Insatiable. Sinon, ouais, je sais, il y en a beaucoup qui regardent des séries de Noël comme maintenant. Moi, je regarde Insatiable, pourquoi pas, hein? Non, pour moi, les séries de Noël, les films de Noël, je sais pas, je suis pas dans le mood, je suis pas dans l'esprit de Noël encore. Et puis, bah, déjà, je suis pas trop télé, donc c'est plus quand j'ai envie d'un petit glandage ou quoi, quand je me mets devant la télé, quand je suis toute seule ou quoi. Mais sinon, voilà, je suis pas trop télé. Donc, ouais, donc hier j'ai fait ça. Après j'ai passé du temps avec mon papa. L'après-midi a passé vite. Et au soir, ben, je me suis dit, il est vachement tard pour vous retrouver pour le calendrier de l'Avent. Donc voilà. Au soir, clairement, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, ça a été vite. Je suis rentrée. La soirée est vite passée. Puis dodo. Puis terminer Carn. Puis m'inscrire pour d'autres lectures communes, donc sur le Discord du Pélib, ouais. Ouais, donc à partir de lundi, je commence les noces mécaniques, c'est ça. Allez, à partir de lundi, je commence donc les noces mécaniques qui me fait. Bon, t'arrêtes? D'abord un ordinateur, on a dit. Après, on te changera s'il faut. Voilà, donc les noces mécaniques.
Ça va me changer complètement de carne, je pense. Voilà, Les Noces Mécaniques, donc de Marie Knebb, et c'est aux éditions Plume Blanche. Voilà, donc à partir de lundi, on commence la lecture commune en 3 jours. J'espère que je vais arriver à suivre, parce que j'ai un peu peur de lire ce livre. Allez, de ne pas arriver à lire un livre en 3 jours, personnellement. Ouais, je dis que je vais essayer de faire un livre un jour, mais déjà 3 livres en un jour, un livre en 3 jours, j'ai déjà peur. Donc, sinon, en attendant, ce week-end, je vous en reparlerai demain, parce que je ne l'ai pas encore mis dans la liseuse. Là, ce soir, je vais commencer un recueil de nouvelles. Je ne l'ai pas encore mis dans la liseuse, il faut que je le mette dans la liseuse. Mais je sais que c'est un recueil de nouvelles qui va me plaire, avec des auteurs dont j'apprécie la plume, d'autres auteurs que je ne connais pas. Donc voilà, je pense que ça va me plaire. Après, ouais, je viendrai vous reparler un petit peu des nouvelles tous les jours. J'essaierai vraiment de bien mémoriser les nouvelles et de pouvoir bien venir vous parler de chaque nouvelle un petit peu tous les jours. Et je pense que bah, si je n'ai pas fini donc lundi. Le recueil de nouvelles, ben je continuerai. Le soir, je ferai une petite nouvelle. Après, je m'attaquerai aux Noces Mécaniques. Je ferai comme ça. J'essaierai de lire ma petite nouvelle tous les jours avant de m'attaquer aux Noces Mécaniques à chaque fois. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crois. Oui. Voilà. Vous verrez. Donc, ben, de toute façon, là, maintenant. Je sais pas si je vous retrouverai avant demain. Là, je sais pas pourquoi. Je me prends tout d'un coup l'envie de faire un petit live sur la chaîne, là, maintenant, vers 16h, 16h30, voilà, donc, parce que c'est bientôt les 4 ans de la chaîne, donc il me prend l'envie de faire un petit live sur la chaîne pour, voilà, pour en discuter un petit peu avec tout le monde, voilà. Voilà, donc il me prend l'envie du petit live, ouais. C'est fou, c'est faire des vidéos, je kiffe. Mais alors, il y a un truc qui me manque, c'est les lives. J'adore les lives, c'est un truc, voilà. Je sais pas comment dire, les lives, c'est ça a quelque chose de spécial, c'est voilà. Je me sens vraiment encore mieux dans les lives. Je sais pas, les lives, c'est un truc. Quand j'en fais plus, là, j'en faisais un avant tous les mardis donc sur Facebook. Et puis après, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté, je ne sais plus. Bonne question. Bonne question, demandez-moi pas pourquoi j'ai arrêté, je ne sais même plus pourquoi j'ai arrêté le live sur Facebook. Je sais qu'il y avait une raison particulière qui a fait que j'ai arrêté, mais voilà, bah maintenant, oui, je pense que c'est parce que j'arrivais plus des fois le mardi à suivre et puis j'arrivais plus à trouver une journée fixe pour les faire, mais ça me manque, hein, ça me manque, j'étais habituée à ces lives le mardi sur Facebook, et depuis j'y pense toujours et ça me manque, quoi. C'est fou. C'est fou, mais ça me manque, ouais. Donc voilà, j'ai envie de faire un petit live après, justement, pour discuter un petit peu. Donc voilà, des 4 ans de la chaîne. Et voilà, tout simplement. Bon, bah sur ce, voilà. Bah vous auriez un petit peu plus d'ambiance de Noël, du coup, avec le sapin, tout ça qui est mis. Quand je suis revenue, malheureusement, de Courtrai, je n'ai pas vraiment trouvé d'occasion de vous faire des petites vidéos Noël, parce que ben voilà, par les routes où je suis passée, il n'y avait pas de décoration. Mais là, la place, elle commence à être bien décorée, donc un jour où il pleuvra pas, n'est-ce pas, hein? Un jour où il fera plus ou moins beau. Je vous emmènerai avec moi à la place, on ira voir, donc on ira voir les décorations de Noël, on ira voir les animaux mécaniques, parce qu'il y a des animaux mécaniques qui vont être faits, éclairés, apparemment illuminés, donc voilà, je sais pas. Je sais pas exactement, voilà, comment ça va se passer, mais j'ai très envie d'aller voir ça, et puis ben on ira les voir ensemble. Malheureusement, cette année, ben, il n'y a pas trop de marché de Noël, on ne peut pas aller trop loin. Si j'ai compris, là, on va bientôt être limité à 10 km, donc ce sera encore un peu plus compliqué pour aller voir les décorations de Noël. Donc, ben voilà. Ouais, c'est en Belgique, hein, qu'on va être limité à 10 km. Hein, c'est nous, apparemment, si j'ai compris, vendredi prochain, ils vont prendre des décisions, machin. On va être limité à 10 km de chez nous. Donc, voilà. Cette année, je resterai à Mouscron pour vous montrer les décorations. Il y a tellement d'autres villes que j'aimerais bien découvrir, que j'aimerais bien aller visiter, mais si on doit rester à 10 km de chez nous, à quoi bon? À quoi bon? Moi, tous les ans, mon kiff,
C'est le Noël à Lille, quoi. C'est Noël à Lille, même s'il y a des années où je suis pas rentrée dans le marché de Lille, parce que clairement, il y avait trop de monde, c'était fatigant, mais même les alentours, tout, la beauté. C'est vrai qu'il y a trop de monde, je rentre pas dans le marché de Noël de Lille. Mais visiter les rues et tout, mais c'est être dans l'ambiance de Noël, il y a tout, il y a la musique, il y a. Voilà, et ça c'est le pied. Ah oui, sinon, ce que je devais vous dire aussi. Hier, j'ai fait un truc. Hier, j'ai écouté le CD de la mécanique du cœur. Je vais pas trop vous en dire parce qu'avec Mélie, on a l'intention de vous parler du film. Et donc là, lundi normalement sur la chaîne donc de Geekopolis, vous découvrirez donc notre avis sur la mécanique du cœur sur le livre. Et avec Mélie, on a l'intention de vous parler de la musique et du film également. Mais il y a des chansons qui sont belles. Il y en a déjà des chansons qui sont belles. On ressent vraiment l'ambiance du livre. On sent vraiment ce qui se passe dans le livre. Et franchement, j'adore. Et puis, il y en a d'autres, par contre, qui sont en anglais. Comme je comprends pas l'anglais, pour moi, c'est plus compliqué. Et puis, ben, il y a une chanteuse que je n'aime pas trop qui est dedans, donc malheureusement, c'est dommage. Mais les plus belles chansons pour moi, c'est les chansons de Grand Corps Malade. Elles sont belles, ces chansons, dans l'album de Jack et la mécanique du cœur. Franchement, j'adore. Elles sont vraiment trop belles. Oui, donc hier, j'ai écouté Jack et la mécanique du cœur, voilà. Quand même, il fallait que je vous... La mécanique du cœur, pas Jack. Jack et la mécanique du cœur, c'est le film, ouais. Je m'y ferai jamais, hein. Puis moi, vous savez, avec les Jack, hein, force, hein, je suis perdu. Hein. Ouais, voilà, donc, voilà, hier, c'est ça, j'ai écouté aussi la mécanique du cœur, et le CD, franchement, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup, franchement. Ouais, ça fait du bruit, c'est l'heure des sorties d'école, désolé. Je vous prends rarement à cette heure-ci, mais là, c'est l'heure des sorties d'école, les motos, les voitures, les... Après, c'est les écoliers qui vont passer à pied. Voilà. Malheureusement, je peux pas partager avec vous ma petite écoute de la mécanique du cœur parce que sinon, ben voilà, ça va être coupé. Je peux pas partager avec vous, c'est dommage. Mais je pourrais. Ben demain, je partagerai quelques chansons avec vous que j'aime bien et je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Comme ça. L'album en général il est bien, sauf que comme je vous dis, j'aime pas une chanteuse dans l'album, mais ça on vous en parlera, je vous en parlerai donc quand on parlera avec Mélissa, quand on comparera nos avis avec Mélissa, voilà, ce sera plus simple. Et demain je viendrai vraiment vous parler un petit peu donc de ce CD parce que je sens que là je vais encore l'écouter un peu. Ouais, je sens que je vais encore l'écouter un peu, je saurais pas faire autrement, là je l'ai écouté hier et j'ai envie de le réécouter aujourd'hui. Voilà. Bah sur ce, pour le moment, je vous ai tout dit. Alors, je sais pas, soit je vous retrouve tout à l'heure, soit demain. C'est comme d'hab, hein, vous savez, hein. On sait pas quand on se retrouve. On ne sait pas. Mais on se retrouvera. Voilà. À tout à l'heure, ou à demain, tout à l'heure, ou à demain.